J'arrive là-haut, qu'est-ce que je vois? Une mamie de 80 ans avec des grosses varices. Comment elle a fait? C'est là que j'ai compris qu'il y a la deuxième personne. C'est qu'avant les épreuves, ils ont chacun droit à un verre de jus de fruits multivitaminés. Avant de faire. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand ils se rassemblent devant le flambeau, là. Comment ça s'appelle? Le conseil. Conseil. Eh bien, ils font un briefing d'une heure et demie avant pour savoir de quoi ils vont parler, ils se mettent d'accord. Il vaut mieux. Il n'y a que ça. C'est pas Daniel. C'est pas truqué, quoi. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. J'ai chauffé le plat. Alors, qu'est-ce qu'on a consommé froid? Ouais. Ouais, tu dois avoir un truc froid, un truc chaud. J'ai pris. Voilà, t'as le serpent rouge là. Serre qui est complètement rouge. Ouais. Le château que tu vois en bas, c'est le château de Serre. Lequel? Le gros cube. Ok, là. Ok. Hein? Donc là, tu as serre ici. Ouais. Derrière, on appelle ça un pan, ou une pente, un pan rouge de serre. Donc le serpent rouge. Et c'est là justement où Charlot, dans le circuit, parle du serpent rouge, puisque justement, il part faire l'exploration d'une grotte au Roconegro. Et donc, il nous décrit la vue qu'il a, et certainement qu'il était peut-être à cet endroit-là. Okay. Parce qu'il a rédigé le serpent rouge. Il fait partie de... Le grenade, c'est quoi que tu fais? Le serpent rouge, c'est tout ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il va... Alors, dans une grotte à Roquenay. Alors, est-ce que c'est celle que je vais vous montrer? Probablement. Une lumière du monde. Moi, je connais pour notamment le dos. Daniel? Oh ouais. Hein? Oh. Thierry? Non, merci. Un goûter? Ce qu'il faut savoir, tu vois, c'est que pour les amoureux de la nature, en général, ils ont l'appareil photo, ils ont les jumelles à portée de main. Vraiment, au cas où l'occasion se présente, ils le sortent tout de suite. Jérôme, lui, ce qu'il a, à accrocher à sa ceinture, c'est son gobelet. Ouais. C'est pour pas qu'on le perde. Hop. Marguerite! L'apéro! Très important l'apéro. Marguerite! On croyait qu'on était suivi par un troupeau après. Et non, c'était Jérôme. Bon, Bruno, il est calé, on n'entend pas lui. Qu'est-ce que c'est ce truc? Le mouga? Ouais. Comme dit en toutes circonstances, le jaune. Ça, c'est des trucs qui collent bien aux dents. Là, il faut que je filme la tasse Lidl quand même, parce que la tasse Lidl, c'est digne d'un aventurier, ça. La tasse de l'aventurier. Le bureau est comme la piquée. On a trouvé le trésor. Pas plus de 2 lingots d'or chacun. Donc là, nous allons rentrer dans la grotte de Blanchefort. Au bout d'un film, là. J'ai l'impression, soit ça s'est resserré depuis la dernière fois. T'as grossi, non, t'as grossi. Soit j'ai grossi. Alors moi, grossi, avec Casal, les régimes Casal et tout. Et... Je vais pas y... Est-ce que je vais arriver à y passer, quoi? Oh putain! On a vu une faille! On a vu une faille! Attends, on va chercher le tueur! Ah ouais, là! Ciao les amis! Ciao! Oh. Adieu! Bon coup!
C'est dangereux d'avancer là, en reculant. Je pense pas. C'est dangereux d'avancer en reculant aussi. Et après, comment il fait pour se tourner? Tu veux y aller, Jérôme? Un petit message? Je vous aime, les enfants. T'as des enfants cachés? Ça m'a fait mal. T'as fait mal à la tête? Et ça fait trop peur. Une pensée pour mes enfants. Je vous aime. A bientôt. Enfin, j'espère. A bientôt. La caméra. Ouais. Voilà, donc on peut. Nous sommes. Non, tu prends les photos là. Hein? Attends, il est passé une photo. Mais non, c'est bon, ça filme. Donc là, on voit le fond de la grotte de Blanchour, de la faille. C'est pas évident. Là, normalement, dans ce vide, il y a. Ouh là là, les grosses araignées. Il y avait deux rondins de bois, ils n'y sont plus, donc on ne peut plus traverser, évidemment. C'est quoi les eaux qu'on voit là? De quoi? Les os. Les... ouais. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est tombé, hein. On là, déconne, c'est vrai, mais. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et sinon, si on continuait plus loin, il y avait un passage sur la droite. Ça tournait encore à gauche. Et sinon, là, 4 ou 5 mètres en bas, il y avait une corde attachée au rondin de bois et qui nous permettait d'aller dans d'autres salles plus larges, là, cette fois. C'est une flash. J'ai pas réussi à faire une photo. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Ça va Thierry? Ouais, impeccable. Hein? Super. Et les gars? Non, ne mets pas la lumière, c'est comme on met la lumière. Tout le monde est là? Ouais. Voilà, il a marché un flash là. Voilà, voilà, là ça marche. Retournez-vous là. Si tu reposes, j'ai un petit lent. T'es sur la tête, t'es sur la tête. T'es sur la tête, ouais, c'est bon. C'est un direct. Un live. Ah. Je sais pas pourquoi j'avais apporté mon bâton avec moi. Pour traverser le mur. Donc ce qui veut dire que là, dans l'état actuel des choses, tu peux plus y aller dans cette grotte maintenant. Il faudrait amener deux rondins. Ouais. Hein? On peut appeler, ça passe quand même. Mmh. Et puis j'ai les coordonnées GPS, donc je peux indiquer ma position. Mmh. Par contre, dans une grotte, ça marche pas. Mmh. C'est l'inconvénient. Il y a la radio dans la grotte. Non mais ça c'est une ouverture manuelle ça. Non. Si, ça bah, c'est naturel, ça a été, c'est tombé. Si. Ça peut pas être autrement, c'est trop régulier. Mais justement. C'est trop régulier, trop lisse pour que ça soit. C'est pas. Quand une roche, ça le pète. Ça, et ça s'arrête là. C'est ça, mais après t'as des ouvertures mais toutes petites. Mmh. T'es sur la tête, hein? Ouais, attention la tête. T'es sur surtout le sortal là, dernier. Ouais. Toi, t'as vu une araignée? T'as vu une espèce d'araignée? Ouais, ah oui, mais t'as même. Un truc comme ça. Ça, apparemment, c'est pas le bon endroit. Ouais, ça me semble pas mal. Ouais, il y a le truc de randonnée là. Ouais. Non, parce que il y a des gens qui sont fâchés, un peu de faux documents, histoire des lots aussi. Classique.
repas, c'est toi qui le dis. C'est vraiment le repas. Pour moi, on apprécie. On apprécie, c'est une beauté qui se mérite. La corde va jusqu'en bas. Hein. J'espère. 13 mètres. On va l'essayer. Je vais sortir de plus près. Oula, je suis pas sûr que descende jusqu'en bas. 13 mètres, je crois. Faites-le, on va voir. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Encore de la batterie ? Ouais. Loupe pas cette image quand même. Ah oui, là je t'en voudrais. Putain, mais tu veux pas mettre le baudrier ? Il vaut mieux. Parce que ça glisse. Il y en a un qui se casse la gueule, toi tu peux venir nous récupérer, mais nous, je sais pas. Si on y arrivera. Je passe, je vais passer. Je vais passer. Lâche, lâche, t'es où ? Donne, ah, j'ai trouvé ça tout. Bah, je l'avais préparé tout à l'heure. Mais là, je suis en train de m'habiller. Là, ah, mais c'est bon, c'est ça. C'est ça qui va faire le buzz. Attention. On va commencer à remonter le coffre d'abord. Après les sacs, on les remontera plus tard. On remonte le coffre d'abord. Tu vas descendre là ? Et tu vas remonter comment ? À l'ascenseur. On va le remonter à 4. On est balèze, oh. Non, mais il a un appareil là qui permet de se tracter là, machin là, comme il faut la télé. On fera avec la corde de l'autre côté. L'autre côté. Notre côté avec la corde, on balancera. T'as pas vu le mec là qui a sauté en parachute dans un trou comme ça là ? Ça fait un peu plus gros le trou. Le tank qui s'ouvre. Le tank qui s'ouvre, le parachute là. Ouais, non, non. Ouais, mais si. C'est intéressant, t'as filmé, tu vas voir des salamandres. Ah ouais, si ils descendent d'un coup. Qui c'est qui veut mon bonbon au caramel ? Il se passe toujours. Moi, ouais, moi, ça dégonne. Ça va me rafraîchir. Voilà. Ça me donne la soif, quoi, ça. Tiens, après ta cigarette. Ah, j'ai les bonbons à la main. Ah. Tu sais, comme ouais. Dans la voiture, là. Si vous en voulez aussi. Non, on va commencer par le. On va commencer par les bonbons au caramel. Ouais. Après, il y aura délestage, après, il y aura bonbons à la boîte. T'es en bas là ? Je ne connais pas cet appareil. C'est pas bon. T'es l'arbre il a bougé quoi. Mmh. Voilà. Voilà. Je vois pas de l'arbre, je vois peine. Ah oh, mais non, je te jure, ça me gonfle. Tu vois, je ne prends pas le pied de la femme. Oh, rien là. Je suis en train de bouffer. Deuxième qui vient de passer. Non, ah, c'est, il reste plus qu'une sur trois. Oh putain. Attends, j'ai envie de la filmer plus près moi. Vas-y, on passe. Attends, et si j'avance tout doucement. C'est horrible. Vas-y, ouais.
Demande-lui si elle sait pas où est le magot, par hasard. Elle est pas peureuse, hein. Non. Méfie-toi. Coucou. Je casse pied la pile. Ta copine, c'est un monstre. Ouais. Ça va, j'ai... Monstre. Ouais. Ouh. Muriel là. C'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Hey, tu montres ce qu'on a récupéré tout dans l'autre salle là-bas. Là, tout de suite. Ouais. Montre. Comment ça déjà? Je crois que c'est du gypse. Gypse. Ouais. Gypsy King. Voilà. Une gypse. Qui est médium. Ah ouais. Saphir. Ça c'est tout bleu. Saphir. On est riche. Enfin. Maintenant il faut remonter. Ouais. On va voir. Attends, je vais remonter. C'est parti, on remonte. Ouais. Attends, laisse-moi remonter. Ouais. Ah. T'es en train de te prendre les pieds dans la corde. T'es en train de te prendre les pieds avec la corde. Ouais. T'as le pied de dalle là, fais gaffe. Mais c'est, tu sais, c'est vraiment comme ça. J'avais l'impression qu'elle était foutue dans ma capuche, quoi. Oh, putain. Appelle-moi Bruno. Ah, ça va mieux. Tranquillou quand même. Hein. C'est ça que t'as mis. Le pied pris. Hein. Il s'est évadé plus d'une fois de freine. Hein. Là tu vois que. Soufflez-moi. Tu peux pas attendre dans ta tapote. Sinon, la maman avait dit tout en temps, il avait gâteau. Non. Ouh. Tu veux montrer ce quoi? Une partie de plaisir. Et demain, les amis, je disais, aller monter les tentes avant de prendre l'apéro. Ouais. Alors, on n'a même pas de tente à monter. Oh, mais c'est bon, c'est par contre, je me demande comment on va faire pour tous tenir là-dedans, les jambes allongées. Ah, mais tant pis, moi, s'il ne faut pas que je m'en Non, c'est pas un problème, je suis pas grand. L'aventure, c'est l'aventure. Voilà, il y a le. Moi, je me colle sur les pierres. Pumps. Tiens, place. Le cul au feu. Je me sens, tu filmes, oui. Tu filmes vite, quoi. Tu filmes, là. Ah, ouais, mais toi. Tu fais. <C'est... rire> Moi, j'allais doucement, mais toi, tu lèves le verre. Hey, Thierry qui filme. Hey. Hey, tu sais, hey. Ah ouais. Thierry, on n'a pas beaucoup de batterie, il faut pas. Ouais. Hein. Oh oui, faire des que le feu. Tu filmes que le feu, après tu ne vois pas. Non, je vois. Il n'y a pas de flash à ton truc. Non. Vas-y, tourne-toi. Là, je le vois là, tu ça y est. Là, je te vois là. Ouais, mais tu m'appelles. Comment? Et Festival de Cannes, non? Ouais. Oh là là. Hein. T'as pas être déçu. Ouais. Elle va pas être déçu, ouais. Elle a quel âge cette fille? 25 ans. 23, 24, quoi. Ah ouais, quand même. Il y a des retards à l'allumage. Non, mais profite-en, tu lui dis que t'as un rôle pour elle. Ouais. Tu dis, c'est moi le directeur de casting. Si tu veux, je peux te pistonner, mais bon. C'est moi le directeur de casting. Il va la pistonner. Ouais. Jolie petite. Oh là là. T'es bronze, même, t'as un coup. Encore. T'as des contacts jusqu'à l'endroit. Elle veut des papiers français, elle. En fait, elle y croit pas du tout à ton truc. Ouais. Coucou Nadia. Nadia? Ouais, j'ai une pensée pour toi. Hein? Je vais te taper les mains. C'est pas une masse, c'est une sensu, ça. Un peu coucou. Ouais. Allez.
on était passé, c'est mon boulot. Il y a les cornes qui te poussent là. Téléphone à ta femme. Et j'ai pas de messagerie. T'as pas de réseau. J'ai pas de réseau. Pas grave. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Non. Est-ce qu'il y a des signes qui ont été grattés depuis? Toujours la même croix. D'accord. Alors celle-ci, elle a été gravée, elle a été effacée, elle a été regravée. Non. La croix rituelle là? Ouais, la croix de Bémy, ouais. Ici. Sinon, il y a toujours le triangle sur la gauche. Ouais. Le triangle ici, c'est ici une cabaliste. Hein. Une. Voilà, il y a un truc là. Une P. Pas trop ce que c'est, un P. Une P, ouais. Ouais. Et puis bah, la fameuse Ankh, hein, la croix de vie égyptienne, avec une petite modification maison. Voilà. Et la première fois que j'ai filmé ce fauteuil, il y a 11 ans, et c'était exactement la même configuration. Ça n'a pas changé, rien n'a changé. Rien ne bouge à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains. Mais pourquoi on dirait du béton hein? Non, c'est pas du béton, c'est... Il y a plein de gravier collé ensemble. Ouais, ouais c'est ouais. La roche, hein. Ça fait comme du béton. C'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est l'eau. C'est la roche qui a soudé les... Qui a soudé, ouais. Et il y a aussi certainement des coquillages à l'intérieur. Tiens, tu vois, t'as des signes comme ça. Il y en a tout un tas. Tu peux avancer, hein. Tu peux monter dessus, ça craint rien. Et donc, si tu veux, Saunière, il se tenait juste ici, il regardait dans cette direction, et Boudet était en train de le photographier. Certainement, il était monté sur le petit pic là-bas. Donc tu vois, tu as des dates, 1896. Pas d'aujourd'hui. Ouais, mais ça à la rigueur. Il y a encore une croix de Bémy ici. Ouais. À la rigueur, quelqu'un qui n'y aurait pas été en 1896, il aurait pu graver après. Ouais, mais oui. Ça lui avance à quoi? Oui. Après, oui. Tout est pas. Voilà, après, tout ce que tu vois, c'est ouais. Pas. Qu'est-ce qu'il a à vendre, les gars? Ouais. Ça avance à rien? On le prive, ouais. C'est-à-dire, on se doute bien qu'elle était là en 1896, la pierre de toute façon qui vient d'avant. Elle est marquée Millau là. Une future bâton qui est beaucoup plus simple à graver quoi. Oui, c'est pas bête, hein? C'est ouais. Intéressant ça. Ouais. Moi si je grave quelque chose, je vais graver comme ça là, en bâton, en majuscule. Alors moi par contre, là, non, ça viendrait pas l'idée, tu vois. Ça viendrait pas l'idée de graver en bâton, tu vois. C'est non. Pas le réflexe. Que... Pour faire la fourmilière, mais il n'y a que de ça. Il y a que des... Et d'ailleurs, les fourmis, c'est très. Ah, tiens, regarde, il y a une reine avec des. Voilà, viens là, la reine. C'est pareil que c'est très savoureux. En dessous, en dessous. Tiens, on a une là. Hop. Regarde, regarde ce que t'as là. Voilà. Donc là, t'as une fourmi reine avec ses pics. Tu vois les pics là? Dès que tu lui présentes quelque chose, elle resserre. Donc je vais lui couper la tête et je vais manger le corps
Et ne serait-ce les toutes petites araignées, les toutes petites fourmis, c'est déjà super acide. Donc alors une grosse comme celle-là. Voilà. Donc j'ai enlevé la tête, elle risque pas de me mordre. Et puis on va goûter si c'est assez acide. Bon, je vais assez manger, c'est bon. Ben, ça a pas de goût. Coucou. Coucou. Yes. Et toi, t'as pas dit coucou. Rennes château, le village de toutes les convoitises. T'as pris quoi, une brèche à l'œil ? Ça saigne ? Non. C'est bon, au-dessus ? En plein milieu ? En plein milieu. Ça a tapé dans le blanc, je pense. Hein ? Allez. Encore. Je prends un bain de feuilles. C'est mouillé dedans. Vous avez sorti les lampes. C'est mouillé. Non, c'est pas mouillé, c'est sec. Allez, prenez vos lampes et venez. On va y aller par plusieurs, je pense, je reste là. Et quand ils remonteront, ils filmeront et on ira. On va prendre la photo. À qui le tour? Je laisse mon portable. Le briquet. T'as la. Allez, ça se ferme. La, comment ça s'appelle? La torche? Non, j'ai pas de torche, moi. Sacré aventurier. Il y a rien, go. Bon, j'ai un peu peur, je vais vous donner. À plat ventre.
calme. Et puis bah, quand ça va commencer à prendre, bah, par contre, il va falloir sortir la paix ou les gars. On peut commencer déjà. Bah, oui, hein. Hein allez. 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 On va se gêner. Moment crucial voilà. De l'aventure. Comme ça, tu coupes la, tu coupes le cul et tu te fais un verre. L'aventure, c'est l'aventure. L'improvisation. Voilà. Hop. Écologique. Comme ça ou comme ça? J'ai très soif. Hein. Bon, allez. Comme ça, on fera un deuxième verre pour demain. On peut faire un filtre avec ça. Ouais. Avec un filtre à charbon, tu prends des charbons, tu fais, perces un petit trou, tu mets un tissu. Un bas. Un bas. Et tu mets ton eau. Et l'eau, donc elle va se noircir, mais par contre elle va se purifier au contact du charbon. Et puis après il va y avoir de goutte à goutte dans un autre contenant. Et ces petites gouttes, elles vont sortir à la fois traitées et claires. Et tu pourras boire au bout d'une... Une heure, deux heures. Okay. Pastis partant bleu. Pastis heureux. Oh. Pastis heureux, ouais. Bon, j'en prendrai qu'un. Lidl sponsorisé par Santé. Lidl. Santé. Les petits oiseaux, petit coucou. T'entends? Un gros barbu avec un ciré jaune et une hache. Voilà. Ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour.